Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 15e épisode de mon Let's Play sur le jeu Towns. Allez, on est reparti. Donc j'ai un petit peu joué dans mon coin, tranquillou, hein, c'était pas... j'ai pas fait grand chose. Réaccélérer le temps, si ce n'est que j'ai continué à faire le toit. J'ai pas reçu de nouveaux villageois. Donc ça a exploré en bas. Hein. Ah non, là ça finissait d'explorer ici. C'était surtout, voilà, cet étage-là où ils ont pas mal exploré déjà. Voilà, ça continue en plus. C'est les gros bourrins niveau presque 40 maintenant. 20, 28, 37, 28, 28. Ah non, pas 40. Enfin, ils ont des armes de fou, genre Dirit, Axe, quoi. Truc de gros malade. Mais du coup, ça avance bien. Ça avance bien, ça avance bien. J'ai monsieur occupé d'un vendeur. Au niveau de la bouffe, ça va très bien. Reste le toit maintenant, même s'il a pas l'air d'avoir envie d'avancer. Hein, je sais pas trop pourquoi en fait. Des mecs construction, ils ont pas... ils comprennent pas. Je sais pas trop comment faire du coup. On va essayer de mettre un dernier échafaudage à ce niveau-là, mais... vous avez un accès là normalement. Je sais pas où vous êtes les... des diamants de construction. Construction. Ok, t'attends. Mange. Pas de tâche, pas de tâche. Mais qu'est-ce que vous foutez? Je vous ai demandé de faire des trucs. Alors, attendez. Hop. On va virer tout ça. On va recommencer, hein. On va faire ça doucement. Voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, en espérant qu'ils sont partis faire le bon truc. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a des ordres qui passent pas. Faut les redonner pour que ça fonctionne. Ça passe pas des fois. Allez. Récolter encore, je m'en fous. C'est-à-dire qu'il y a assez de bouffe. Ce qui est plutôt bien. Voilà. Faites-moi des nouveaux toits. Voilà, ça y est. Donc, ces toits-là, c'est bon. Yep. Encore des toits. Encore un siège. Ok, c'est des... des Evil Badger. Des blaireaux démoniaques. Ça y est, il s'est tiré avec mon pot. Je suis dans la merde. Parce que je crois que c'était un pot avec 10 pains. Bon, ça va, il me reste de la bouffe. Il me reste pas mal de bouffe. Faudrait que je fasse les... mais comment ça s'appelle? Les portes aussi. Ça peut être utile. Là il continue, c'est bien. Au niveau de la nourriture, je crois qu'il n'y a pas un baril de nourriture qui s'est fait à mal là. Avant qu'il le tue. Ok, tuer un là. Bah c'est possible qu'il se fait carrément vraiment la mal. Parce qu'on merde un peu. Bon, c'est pas grave. Normalement au niveau des stocks de nourriture, ouais ça va. On est encore bon. Ok, à ce niveau-là, c'est bon. Yep, on va faire des toits. On est au bon étage, ouais. Allez, c'est parti. Et merde. Wow, wow, wow. On a lu ses ordres. Voilà. Merde. Ah. Les trucs qui vont pas là. J'ai mis un toit à ce niveau-là. Enlever 3D Mouse. Ok.
Oh là là. Voilà, je pense à cet étage-là. Non, c'est pas à cet étage-là. Bah, c'est à celui du tout, alors. Qu'est-ce qu'ils me foutent? Ouais, c'est à cet étage-là. Ça y est. C'est bon. Oh, galère. Galère, galère. Ce qui s'était passé, c'était un peu casse-pied. Bon, sinon en bas ça fonctionne. Bah ouais, ça explore bien. On trouve pas mal de ressources au cas où, hein. Je fonctionne déjà correctement avec ce que j'ai là, donc ça va. Oula, eh merde, j'en ai perdu un. Oh, il allait chercher des trucs évidemment. Alors, t'es mort dans quel groupe? T'as récolté. Ça peut être ça. Ah, et merde. J'ai encore perdu un abruti. Mais je sais ce... Ah non, je peux pas. Ce que je devrais faire. On peut pas le régler. To howling et picking. On va remonter un petit peu le niveau de. Voilà. Vous pouvez pas descendre en dessous de moins 6. Donc cet étage-là. Bon, allez. Donc il y a une caravane. Génial. Vendeuse de couleurs. Bon, bah, on va vendre ça, hein. On a plus rien à foutre. Donc on atteint les 1976. Bon, bah, voilà. Nickel. Bon, j'en avais pas vendu grand chose, hein, des gels, mais c'est déjà mieux que rien. Ok, des pains, la nourriture, tout fonctionne. J'ai pas fait de... Si, des cakes. Ça restaure bien les cakes. Le toit, bah ça y est. Le toit est fait. On va détruire les échafaudages. Hop. Fais ça tranquillou. Voilà, ça y est. Donc, plus qu'à virer ces échafaudages là. Et mettre des portes. Si on mettait des portes. Non, pas des escaliers, des portes. Voilà. Et merde, il y a un bloc là. Enfin, il y a un truc. On va détruire les échafaudages. On va destroy la spiderite. De toute façon, j'en ai plein. Voilà. Là, on est bien. Encore quelques trucs à faire, mais ça doit aller. Niveau d'exploration, on s'explore toujours. Ouais, ça avance. Finalement, cet étage, j'aurais été assez rapide à faire. On est à la moitié, hein. Reste tout ça. Donc là, c'est le sol. Là, c'est le prochain. Là, c'est le sol. Là, c'est le prochain. Il en reste encore combien? Attendez. Sol. Prochain. Attendez, est-ce que ça, c'est le sol? Non. Ça, c'est des murs. Donc ça, c'est le sol. Prochain. Sol. Prochain. Sol. Il faut que je compte. Alors. Sol. 1. Sol. 2. Sol. 3. Sol. 4. Sol. 5. Sol. Ah, que 5. Pas enfin, que 5. On en a fait que 3 jusque-là. 3, 4. Ah, attendez. 1, 2, 3, 4. On en a fait 4, donc on n'est pas à la moitié encore.
peut-être pas encore à la moitié. Bon, bah j'espère que ça va être... Ils vont être plus performants maintenant qu'ils ont un toit pour dormir, tout ça. J'espère que ça va aller mieux. Normalement, c'est le cas, ils sont plus performants. Hein. Faudrait que j'en fasse un autour de la dining room. Ils mangeraient plus vite, comme ça. Et autour de la cuisine. Enfin, de la bakery, de la boulangerie, comme ça, ils travailleraient plus vite. C'est ce qu'on va faire. Allez, hop. On va mettre une porte. On va mettre là. Hop, on va mettre des wooden blocks. Sauf qu'il faudra qu'il vire ses pains. Zut. Ça. Oh. Oh mon dieu, c'est quoi? Ok, déjà un mort. Deux morts. Trois morts. Oh mon dieu. Quatre. Oh mon dieu quoi. Oh la vache. 4 morts d'un coup quoi. Oh mon dieu. Bon. Bah du coup, va falloir qu'on fasse un peu tout le groupe. Donc 2 en construction et plus qu'un en minage et bûcheronnage. D'accord, donc en fait c'est tout. C'est tout construction et minage et bûcheronnage compris là. On va changer, on va en mettre un en minage et bûcheronnage. Ah là, ils ont bouffé. Hein. Ça doit faire mal. La vache. Je pensais pas qu'il prendrait autant. Oh la vache. Ça m'énerve d'avoir perdu autant. Quoi, falloir toujours remonte au niveau des équipements, tout ça, enfin pas des équipements quand ça va, mais au niveau de la finesse, bon, 48 c'est faisable, enfin c'est quand même casse-pied quoi. Là ça avance et je veux pas d'autres pertes dans cet épisode. Ok, oh la vache. Ça fait mal. Hop. Oh, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté. Comment on fait pour se prendre une aussi grosse branlée tout d'un coup là? En fait, pour avoir plus de problèmes de siège du tout, il suffirait que je fasse une énorme rambarde de 2 cases tout autour de l'ouverture. Comme ça, je serais complètement tranquille. Parce que du coup, il resterait bloqué au-dessus des 2 cases, il pourrait pas descendre. Et ben, il mourrait tout simplement, ou alors il resterait coincé. Ouais, on pourrait faire ça, mais bon... Le truc, c'est que là, je suis déjà collé, quoi. Surtout qu'il faut 2 cases. Au minimum. Ce qui est un peu embêtant. Oh là là, en plus, la pinaise commence à remonter. Oh là 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 là. Ok. Ouais, là je sais plus trop quoi faire si ce n'est continuer un petit peu cette construction. Je sais plus trop quoi faire. Oh là là.
Il y en a qui s'énerve. Qui explore bien d'ailleurs. Ouais, si ça avance quand même. Ça au moins c'est un point positif. C'est que ça avance. Et qu'on pourra même bientôt passer au niveau suivant. Allez hop, ça y est. Les wooden blocks sont posés. On va passer au toit. Et que je mette des échafaudages aussi. Où sont les échafaudages? Ici. Voilà. Happiness 17, ça commence à remonter, mais j'aimerais pas de siège tout de suite. Vous savez quoi? Non, non, on va descendre en normal, hein. Pire, si je perds, si... j'ai perdu. Hein. Même si ça m'embêterait, parce que là, je suis quand même allé assez loin. J'ai pas envie de me faire buter maintenant. En fait, ça va plus lentement dans les constructions, tout simplement. Ils ont pas trop attaqué mes zones de... enfin, mes groupes de récolte, ça qui est bien. Du coup, ça me laisse un petit peu de marge. Au niveau de la bouffe, on est bien. 30 pains, 23 pommes, 4 apple pie, 5 pear pie, 6 cakes. Ouais. Niveau bouffe, on est tranquille. Ça peut même augmenter un petit peu le... la limite. Ouais, ça va. On va augmenter un petit peu la limite de baking. Voilà. Avec ça, je pense que ça va. Avec ça, je pense que ça va. Ok. Alors... qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, j'attends que le toit soit fini, hein, avant de donner les prochains ordres. Il y a un toit, là. Ouais, il y a un toit. C'est marrant, il n'est pas affiché correctement. Ah si, il est peut-être affiché correctement, mais c'est un peu bizarre la façon dont c'est... dont c'est affiché. Ouais, c'est un peu bizarre, boss. Voilà, c'est bon. Wooden roof. Hop. Ça va me faire le cercle interne. Ça, c'est bien. Alors, il reste cette partie-là à explorer, essentiellement. La partie ici. Le trou ici. Là. Quelques petits coins, je suppose. Voilà, même pas. Et après, on pourra passer à l'étape d'en dessous. Je regarde les ressources un peu, parce qu'il y a énormément de ressources, en fait. Et je regarde s'il n'y a pas de l'argent. Il y en a un qui s'énerve, là. Il défonce tout le monde. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est un cyclope. Il est vraiment en train de tout défoncer, là. Hein. Il est inarrêtable. Je comprends qu'il monte en niveau. 29, 30, 38, 29, 22. Ouais, ça, c'est les bons héros. Pas comme les villageois qui sont butés bêtement. En même temps, une telle attaque sur un petit groupe, c'était un peu la mort assurée. C'était un peu la mort assurée. Bon, enfin là, du coup, ça augmente plus, ça m'énerve. Ah, il manque pas grand-chose. Ah, ça fait 20 minutes. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. Épisode un petit peu casse-gueule, là, pour le coup.
Je me suis un petit peu ramassé sur le nombre de villageois qui sont morts. Tiens, je vais mettre le toit intérieur encore une fois. Hop. Je me suis un petit peu ramassé sur le nombre de villageois qui sont morts. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous !